Alors, bonjour à tous et merci d'être là de plus en plus fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous, rien que pour nous et personne d'autre. Sauf tous ceux qui veulent nous rejoindre et vous êtes le bienvenu si vous parlez cette belle langue de Molière. Chers amis, on est le 11 juillet 2019, 11h17, heure du Québec, heureux de vous retrouver. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. Merci à tous ceux qui m'envoient des messages et des liens. Je vais vous parler de la fameuse fameux orage en Grèce hein, qui ont causé beaucoup de casse-tête et de dommages. Des tempêtes sans sans, sans interruption. Aux États-Unis, ça reprend, les tempêtes trop tropicales reprennent, les ouragans reprennent. L'Europe, je vous l'ai dit, vous allez passer un été pouf éprouvant. <laughs> C'est pas démenti, jusqu'à présent. On pensait avoir des journées de repos. Il n'y en a pas de répit. Mais avant d'aller là-dedans, je veux vous parler de quelque chose de vraiment fascinant. Et ça soulève beaucoup de questions, ce que je vais vous partager là. Je vous laisserai le lien de la vidéo totale dans la boîte de description. C'est toutes ces découvertes hein, qui ont été faites par des gens ingénieux depuis plusieurs années qui auraient pu nous donner accès à des technologies vraiment peu coûteuses, peut-être même presque gratuites ou en fait très abordables et très très très... Euh, environnementaliste, dans le sens où il n'y aurait où, vraiment aucun, aucun euh, dommage fait à l'environnement. Hein. On pense à des technologies pour des voitures beaucoup plus efficaces que la voiture électrique, qui coûte une fortune, avec lesquelles nos gouvernements font de l'argent via les compagnies qui sont soit nationalisées comme ici, d'hydroélectricité ou des compagnies privées. Qui coûte une fortune à se procurer, qui coûte une fortune à faire rouler pareil. Hein. Les voitures électriques, c'est vraiment pas gratuit. Vous avez vu le taux de l'hydroélectricité. Vous avez vu le taux de remplacement d'une batterie aussi. C'est extraordinaire. Hein. On n'y pense pas souvent. Quand on s'embarque dans l'achat d'une voiture électrique, après 3 à 5 ans, moi, j'ai des gens qui en ont acheté. Tu dois changer la batterie. C'est n'est pas une batterie euh, régulière qui coûte. Euh, quelques centaines de dollars ou quelques dizaines de dollars, Là, tu parles de plusieurs milliers de dollars. On peut parler d'une moyenne de 8 000 à 9 000 dollars de remplacement d'une batterie. Donc, c'est des coûts énormes. L'électricité, l'énergie qu'on utilise pour s'éclairer, coûte une fortune. Alors que peut-être il y a des technologies qui existent qui pourraient nous donner accès à une, une, une énergie vraiment, si ce n'est pas gratuit, vraiment très peu coûteux. Le coût des des générateurs ou des, euh, des appareils nécessaires à capter l'énergie qui serait euh, quelque part, hein, où on pourrait avoir accès dans la haute atmosphère. Où... Il y a plein, plein, plein de gens. On va aller voir ces inventions-là, mais on ne les verra pas en entier. Mais je vais vous laisser la vidéo dans la boîte de description de toutes ces inventions qui sont disparues, qu'ont fait disparaître tous des gens que les grosses compagnies ont approchées pour leur acheter leur brevet. Ces gens-là ont refusé. Et on les a fait disparaître, ces gens-là, on les a amenés dans l'anonymat, on les a rendus dans des états dépressifs, des gens qui ont détruit après ça leur réinvention. Parce que ces grosses compagnies-là veulent mettre la main là-dessus pour justement que ça vienne jamais, jamais au grand jour. Parce qu'il n'y a personne qui est intéressé à nous donner quelque chose de gratuit. On veut nous abuser, on veut nous plumer, on veut toujours, toujours, toujours qu'on paye, qu'on paye, qu'on paye. Et moi, je m'étonne qu'il n'y ait pas un politicien honnête hein, sur la face de cette terre qui vienne en campagne électorale ou qui vienne dire à tout le monde, ben, il serait temps qu'on mette au service du public tous ces inventeurs, ces gens qui ont des prétentions d'invention qui pourraient changer le monde, qui pourraient changer la face du monde, changer nos vies pour le bien. En nous donnant quelque chose d'accessible et pas cher. Il n'y a pas un politicien qui a le courage et qui n'a jamais affronté cette question-là. C'est assez hallucinant. On n'en parle même pas! Et c'est ça qui est le plus renversant. Enfin, on va aller voir ça. Moi, ça me rend complètement dingue, chers amis. Il y a par exemple un homme ici, ça date de plusieurs années, là. C'est des choses qui. C'est pas nouveau. Qui, avec le métal qu'on appelle, je vais juste essayer de me rappeler du nom, hein, le fameux euh, nitinol, apparemment qui a des propriétés euh, extraordinaires, le nitinol, qui pourrait euh, changer beaucoup, beaucoup de choses. C'est un métal qui, dans l'eau froide, devient euh, complètement, complètement mou et dans l'eau chaude, redevient rigide. Et cet homme-là a pensé, euh, après avoir découvert les propriétés de ce métaux-là, en faire une roue qui tournerait que par l'action du chaud et du froid. Un premier moteur, si vous voulez, ou système qui fonctionnerait juste à la chaleur. Et on va le voir ici, mettre ça dans un contenant d'eau chaude, d'eau froide, et dû à cette propriété de ce métal-là de s'étirer, de, de se ramollir, de se redresser, ben, ça donne lieu à ce premier moteur ou engin ou mécanisme qui serait propulsé et qui fonctionnerait juste à la chaleur. C'est hallucinant et ce n'est pas aller plus loin. Et il y a plein de générateurs magnétiques, ici il y en a un où on, on voit l'individu qui a créé ce système-là par le magnétisme, qu'il il est en, capable de produire de l'électricité. Je vous laisserai le lien, vous allez tout voir. Tout voir. C'est vraiment... C'est incroyable. Ça devrait être la priorité de... Mais ne, non, nos élus ne sont pas là pour ça. Nos élus sont là pour nous garder à leur service, esclaves, à nous plumer, à travailler pour eux. Il ne viendrait pas à l'esprit de ces gens-là de mettre à notre disposition des énergies gratuites. Ben non, il faut que vous payez, il faut enrichir quelqu'un, il faut enrichir des grands réseaux, il faut enrichir des grandes entreprises. Donc, ce gars-là a mis un générateur qui, magnétique qui produit de l'énergie, de l'électricité, vous allez le voir, il y en a plein d'idées comme celle-là. Il y en a plein, plein, plein. C'est vraiment, quand tu vois ça, révoltant. Et il y a plein de ces idées, de ces inventaires et qui sont disparus, et qui sont tombés dans l'anonymat, qui sont devenus complètement, complètement dépressifs. Ici, on a une autre invention. Euh, Morris Ward, avec un produit qui pourrait être digne de, 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 de la science-fiction, c'est un produit qu'il a inventé, et. Comment il le présente, c'est avec un œuf qui est soumis à une chaleur intense. L'œuf naturellement brûle tout de suite. <coughs> eh bien, cette espèce de substance qu'il a inventée, il l'applique sur l'œuf et l'œuf est soumis à la même 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 chaleur hein, d'une torche. Il peut même prendre l'œuf dans sa main, il sent aucune chaleur. Il casse l'œuf. Et ne fait même pas cuit. Donc, des moteurs magnétiques aussi ont été inventés. Cet homme-là nous montre comment il peut. Il a inventé un moteur complètement magnétique. Il débranche tout. Vous allez voir comment c'est fascinant. Il n'y a aucune alimentation électrique. Et ce moteur-là tourne, tourne, tourne et, tourne et tourne et tourne avec le magnétisme. C'est complètement hallucinant. Il en a fait une voiture, un prototype. Et comment ça se fait qu'on n'a pas accès à ça? Non. On veut nous vendre de la voiture électrique qui passe par les mains encore des mêmes constructeurs, qui utilisent les mêmes euh, principes mécaniques et qui t'obligent à l'alimenter avec ta compagnie de ton fournisseur euh, d'hydroélectricité pour la recharger. C'est les mêmes compagnies qui vont installer les bornes, qui vont s'enrichir avec ça. Il faut, qu on, on faut que tu t'achètes une autre batterie et ainsi de suite. Et c'est toujours les mêmes réseaux et c'est toujours le même monde qui fait de l'argent. C'est vraiment scandaleux. Et ça, je pense, c'est le plus grand scandale de tous les temps. Puis qu'il n'y a personne, personne, personne qui soulève la question de Barack Obama, à Donald Trump, à tous ces maudits drôles-là qui sont là pour nous donner un spectacle pathétique, de divertissement pathétique. Comment ça se fait qu'on ne se met pas... Tout de suite à la tâche pour rendre accessible et donner à tout le monde des voitures abordables qui fonctionnent avec une autre technologie qui coûte rien et qui nécessite rien et qui enrichit personne. De l'électricité qui coûte rien, qui enrichit personne et qui donnerait accès à plein de gens les plus reculés dans le monde entier à de l'énergie et de l'électricité. Ben non, on reste toujours entre les mains des oligarques, des riches, des puissants. C'est vraiment, vraiment incroyable. D'autres systèmes d'énergie à l'eau, c'est vraiment hallucinant. Cet homme-là, lui, a créé une espèce de... de, de, de avec un prototype, sa, sa technologie, un outil, une arme complètement dévastatrice de pouvoir. Hein? C'est tout alimenté à l'eau. Il peut chauffer. À une, une température extrême, faire fondre des métaux, couper des métaux, et tout ça, c'est que de l'eau. Les gens n'en croyaient pas leurs yeux. Et ça peut alimenter aussi un moteur, il est, ça pourrait alimenter un moteur de voiture. Il y a des prototypes, tout est là. Il n'y a rien, rien, rien qui fait. De l'énergie à l'infini. Dennis Lee qui a mis au, au point une. Technologie, d'énergie à l'infini avec des principes de physique incroyables. Et il n'y a rien, rien qui se fait, il n'y a rien qui arrive. Il faut toujours passer par les mêmes circuits, les mêmes compagnies, les mêmes grands oligarques qui s'en mettent plein les poches. Donc, c'est assez fascinant, c'est intéressant. Je vous laisse ce lien-là dans la boîte de description. Moi, je n'en reviens pas comment on est encore coincé avec. Cet emprisonnement, C'est cet... de l'esclavage. C'est de l'esclavage pur et simple. Puis on en est à tourner après notre queue, hein? à courir après notre queue, se démener comme des diables dans l'eau bénite, parce que tout coûte tellement cher qu'on veut nous garder dans ces. Hein, dans ces modèles-là. Puis il n'y a personne qui parle de ça. C'est comme si ça n'existait pas, puis il y a tellement, tellement d'inventions au fil des cent dernières années qui ont... Vu le jour créé par des gens ingénieux qui auraient changé le monde, qui auraient changé la vie, et ça s'est, ça tout fait bloqué, ça a été empêché. Puis n'y a pas un politicien qui amène cette ça devrait être une priorité. Mais ben non, moi j'en reviens pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça nous en dit beaucoup sur le monde dans lequel on vit. On est prisonniers. prisonnier de cette quantité de gens qui vivent de nos efforts pour nous garder prisonniers des systèmes économiques dans lesquels on est. C'est assez hallucinant. Enfin, il fallait que je vous partage ça. Je vous laisse ça dans la boîte de description parce que c'est tellement important, puis il n'y a personne qui en parle. Ça vous montre à quel point on ne pourra jamais s'en sortir. C'est triste, mais que voulez-vous? C'est fascinant.